Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Let's Play qui sera sur Prey. Donc on va tout de suite commencer en créant notre personnage, enfin choisissant le personnage, on va prendre notre personnage femme. Donc là, ça charge donc dans notre appartement, vous voyez dans votre appartement en 2032. On va essayer cela. Sur une touche ou un bouton pour continuer. Bonjour Morgan, nous sommes le lundi 15 mars 2032. D'accord. L'hélicoptère va venir te chercher, c'est juste pour quelques tests. N'oublie pas de mettre ta combine. Putain, Morgan, Alex. Bon. À bientôt. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgan, comme au bon vieux temps. D'accord. Hein? On est où? Je sais pas, j'ai vu grimper. J'ai pas compris. Pour une cuisine rock and roll. Pour lire, hein, bien entendu, en mettant sur pause. D'accord. J'essaie de regarder si je suis bien au max niveau des graphismes. Hein. Allez, très élevé, ouais. Ah tiens. J'ai eu des frises à 30 FPS pendant l'instant, j'ai pas compris pourquoi. Pizza! L'électronique pratique. L'estimation de Fermi. Oh là, il y en a un paquet. L'ingénierie, c'est pour m'accomplir, d'accord. On va changer un peu les touches d'abord parce que c'est assez chiant le sur ça. J'essaie de regarder si j'ai, il y a peut-être quelque chose. Ouais, j'ai, il y a quelque chose. T'es quelque chose, FG, FH peut-être. Ah, putain. J'essaie de regarder, attendez, hein. FH. Voilà. Petit livre. D'accord. Va prendre de douche. Ah, de l'eau. Bon, on va prendre la combinaison. Ah, mes oreilles.
Porte de la penderie. J'aime bien ce petit design là. Tiens, j'ai pas vu celui-là. Porte verrouillée. Du Bonjour, technicien. Madame Yu. Il paraît qu'il y a un hélico. Alors, le son est assez mal réglé, désolé, hein, par ma faute. Sur le toit. Ça doit être pour vous. Voilà, là ça devrait être mieux. Toujours verrouillé. La température est de 25 degrés. Le ciel est dégagé jusqu'à notre destination. Magnifique vue d'ici. Donc c'est les crédits, on sort un crédit d'entrée. J'espère que ça ne fera pas moche en tout cas sur YouTube. Sur mon PC ça va, c'est pas trop mal. Moi, je suis pas sur mon écran 4K, je suis sur mon autre écran. Qui a un peu plus de mal. Hein. Donc, il y a un peu plus des couleurs ternes. Hein. Fades, tout ça, tout ça. Pray. Non, le soleil, ça fait mal. Ça fait vraiment mal par contre. Merci mon cher pilote. Ça m'a l'air d'être stable en 60 FPS. Quelques petites baisses de frame par-ci par-là, mais... Je suis un opérateur scientifique Sibyl 495. Alors, on va mettre tous les... J'avais le choix entre... Ça, c'est normal. Les dialogues. Les instruments sont calibrés pour l'analyse de grands volumes de données et de relevés en direct. Bienvenue, Morgan Yu. Vous avez rendez-vous à 9h au centre de test. Veuillez confirmer. On était sur le toit, centième étage. Soixante-et-onzième. Morgan, enfin. Alexio. Quelqu'un de notre famille. Hey, l'uniforme de Transtar te va plutôt bien. Et ton œil, toujours rouge? Je sais que les tests peuvent paraître peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les You. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce qui te vient naturellement. Ne t'en fais pas. Méthode si. Bah, le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur Yu, votre sœur est attendue dans la salle A. Merci. Écoute. Ah, c'est ma sœur, d'accord. Enfin, c'est mon frère. On se voit après. Monsieur? Bonjour, Morgane. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. Ils vous paraîtront sans doute quelque peu inhabituels, mais croyez-moi, vous allez vous en sortir à merveille.
Tout va bien ? Formidable. Commençons. Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever ces boîtes du cercle rouge aussi vite que possible. Allez-y à l'instinct. D'accord ? Merveilleux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Merveilleux. C'est... Tout va pour le mieux. Passons à la salle B. La chaise. Oula. Écoutez attentivement. Cachez-vous du mieux que vous pouvez dans cette pièce. Prenez votre temps. Détendez-vous. Réfléchissez. Non, je plaisante. Vous n'avez que 9 secondes. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Morgan. On vous voit. Je vois. Une activité synaptique à signaler? Ok. Non? Bon, ce n'est rien. Désolé, passons à la suite, Morgan. Allez dans la salle C. Vous vous en sortez très bien. Tu m'étonnes. Là, je pouvais pas faire grand-chose. J'ai renversé la chaise, j'ai oublié. Bon, nous y voilà. Pour ce test, appuyez sur le bouton bleu de l'autre côté de la pièce aussi vite que possible. Et le plus... naturellement et instinctivement possible. Faites-le sans réfléchir. Allez-y. Allez, appuyez sur le bouton rouge. Excusez-moi, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Simmons? Moi, j'ai installé ce que Tina a ramené. Vous avez bien vérifié? Le haut-parleur est activé. Je suis désolé, Morgan. Nous avons quelques problèmes avec le matériel. Rien à voir avec vous. Vous vous en sortez à merveille. Plus qu'un test, passons à la salle D. Quoi servent ces tests exactement? Allez. J'essaie de voir si ça lag si je fais ça. Non, ça. Il y a certaines chutes de 1 ou 2 FPS parfois, je sais pas pourquoi. Quelqu'un peut m'apporter du café? Ce serait bien aimable. Merci. Très bien, Morgan. Asseyez-vous à cette table, je vous prie. Excellent travail. Regardez l'écran en face de vous. Je vais vous montrer une série de questions. Choisissez la réponse qui vous paraît la plus sensée. Appuyez sur l'écran pour commencer. Bien, on dirait que vous avez pris le coup de main. Continuez. C'est du lourd. Bien. Suivante. C'est presque fini. T'as mis quand même pousser le gros, hein. Faut continuer à pousser le gros. Eh bien, je suis impressionné. Bien, bien, c'est très bien. Nous en avons presque terminé. À présent, je vais afficher une image. Je veux que vous la regardiez attentivement. Dans un instant, je vais vous demander ce que... c'est ma tasse? Elle est vide. Oh, plus. Oh. Ouh. Ok. Alex. Simmons, qu'est-ce qui se passe? On a un problème. Et concernant Morgan? Elle est en vie.
sous sédatif. Occupez-vous de ça, j'arrive tout de suite. Bonjour Morgan, nous sommes le lundi 15 mars 2032. What? The heck? Alors, attendez, je reviens rapidement. Bah voici, je faisais quelques petits réglages, on va donc pouvoir y aller. Faisons un peu le tour de la zone. Enfin, c'est assez bizarre hein, qu'on tourne ici. Alors j'ai parti tout de suite, FDM. De janvier à... D'accord. Bizarre. Je sais pas pourquoi ça descend à 30 fps parfois, c'est bizarre. Je ne vois pas pourquoi. On prend notre petite combinaison. Calme-toi la musique hein. C'est quoi? C'est détaché. Vous ne rêvez pas. Ce qui est arrivé hier est la réalité. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. D'accord. Réveiller ta l'alarme. Ah ouais, d'accord. Vous êtes dans le laboratoire de simulation. Dirigez-vous vers la sortie. Je reste en contact. Ah, Alex m'observait déjà. Mon frère m'observait déjà. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si je suis le seul affecté ou pas. C'est un peu bruyant quand même, hein. Bon, t'inquiétez pas, je veux bien avoir peur dans ce let's play, je pense.
La peur, on va être servi. Ah, ça va servir de partout. Prendre la bouteille. J'ai loupé quelque chose. Je t'ai vu. Quelque chose ici avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Nécropsie. Tumeur de mimique. Bizarre ça quand même. C'est très très bizarre. Ça par là. Non, c'est pas comme ça. Non, attends. On est en train de se faire fuck top. On est en train de... Notre cerveau est en train d'être fuck top. Là, normalement, ça se passe pas comme ça. Tout à l'heure, j'ai encore ouvert la zone. Par là-bas, je peux pas passer. Je suis obligé de passer par tout là-bas. Désolé pour ces petits lags imprévus. J'y peux rien malheureusement. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Moi aussi je les ai, hein, vous inquiétez pas au niveau de ça. C'est pour ça. Voilà, je suis perdu, je comprends plus rien. J'essaie de comprendre. Oups. Ah là 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 là. D'accord, ce sera donc comme ça que ça s'est... Oh là là là, c'est chaud quand même. Hein. C'est stylé en tout cas. J'essaie de prendre mon temps, hein, même si c'est un jeu d'horreur. Enfin, horreur, façon de parler. Peut-être si...
pas. M'en douter. Je suis flippé quand même, hein. Désolé si je parle pas trop, j'essaie de le laisser un peu dans l'ambiance, soit vous ou moi. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Oui. Regardez la partie. Craig Wilson sauvegarde. Est-ce que le 5 fait une sauvegarde? Oui. Très bien. Alors, où passer? On va regarder par là. J'ai peur, voyons. Petit inventaire. Si à chaque fois il y a un screamer comme ça sur les mimics, ça va pas le faire. Ah, je comprends pourquoi. Quand il y en a qui parlent de cache-cache. Hein. Pas encore touché à ça. Ah ouais, d'accord. Pff, c'est chaud quand même, hein. Ah ouais, mais non. Là, c'est vraiment chaud, quoi. Est-ce qu'on voit encore? Ah non, le test dans le vu. Ah. Est-ce que notre cher personnage il serait en train de s'imaginer quelque chose pour que ce soit, ça se fasse réel? Ou que ce soit réel et en fait que c'est faux? Ah, je comprends plus. Quelque chose là-haut? Non. D'accord. Continue. Ah, au secours.
Oh. Personne n'a pu stopper la prolifération des mimiques depuis qu'ils se sont échappés du confinement. Je vais vous aider à rester en vie. Encore un peu. Pourquoi il y a tous ces bruits? Ah, d'accord. Ça, c'est bien comme système. Hein. D'accord. D'accord, c'est vraiment du propane, hein? Je suis quoi en difficulté? En normal, c'est bien ce que je disais normalement, mais. Trois emails ici. Il doit y avoir quelque chose. Oui, c'est un interrupteur, d'accord. C'est chaud quand même, hein. Vraiment devoir tout taper pour essayer de tirage nécessaire. Ou alors je vais essayer de voir les de trouver les erreurs. Vous mettrez sur pause si vous souhaitez lire. Calm down. C'était un fantôme. Typhoon entre au Fantasmus. Ne vous arrêtez pas. Ah d'accord, c'était le truc qui était là. Pff, on fait peur. Hein. Pas de baisse un peu le son de mon côté.
c'est un peu fort. Hein. Le canon glyph. Alors, attendez un petit instant, je ferme juste ma fenêtre. Parce que j'entends trop ce qu'il y a dehors. Et c'est pas le but. What the fuck. Voilà, me revoici, désolé encore une fois. D'accord. Ah, les lags. Désolé, pourtant je suis pratiquement. Si je désactive ça, je suis à plus de 200 FPS. Ils ont plus rough. Difficile, c'est difficile, hein. Toilette derrière. Okay.
Numéro mode, d'accord. Plus tard. Si je fais ça, c'est pour une raison spécifique. C'est pas lui, c'est lui. Nice. Le plan pour construire une arbalète. Vous vous direz en mettant sur pause, excusez-moi. Alors, nice. Regardez pour le moment. Il faut donc un mot de passe pour accéder à la... Voilà, piratage numéro 2. Un peu le tour. Je suis un peu en train de devenir insane, pardon. Est-ce que j'aurais quelque chose concernant mon état de santé, peut-être la santé, la combinaison? Quelqu'un qui approche.
D'accord. Pour aller dans le grand hall. Je suis sûr, oui. Allez, on va voir le monde. Ah. Ok. Pourquoi pas, hein? Il y en a un qui s'info. Crawl de Talos 1. Bonjour Talos. Attention, toute tentative de modification des commandes administratives sur les postes. Attention, vous devez vous rendre dans votre bureau. J'ai mis votre carte à jour. Une vidéo requiert votre attention. Je sais que vous avez beaucoup de questions. D'aide à la sécurité. J'ai beaucoup de questions. Non. D'accord. Vite fait le tour de la zone. Putain. Ok. D'accord. Essayer de se heal. Voilà, j'ai... Enfin, récupérer plutôt. Cinq... Un neuromode.
D'accord. 2030, alors, on va essayer de regarder ça. Attendez. Et des soviétiques marquent l'apogée des négociations top secrètes de la guerre froide. Signifiant cage en russe, Kletka est à l'origine de l'armature et des systèmes principaux d'urgence de ce qui allait devenir Talos One. 1964. Après la tentative d'assassinat sur le président Kennedy et le départ de Khrouchtchev, les États-Unis doivent s'acquitter de droits d'exploitation afin de conduire des tests à Kletka. Je mets ton micro, en attendant, on regarde. Un progrès significatif dans les domaines des matériaux nouvelle génération et des biosciences indispensables à la modification neuronale. 1980 à 1994. L'évolution de la situation géopolitique provoque l'arrêt temporaire du projet Axiom. Après le malheureux incident de Pobeg au cours duquel deux chercheurs perdirent la vie, le centre Kletka est démantelé puis nettoyé. Création du conseil d'administration. Transtar achète et privatise le centre Kletka sous couvert d'une vision se concentrant sur la sécurité et des améliorations à la pointe de la technologie. 2030. Talos One, monument de l'industrie spatiale privée, devient totalement opérationnel. Le premier neuromode permettant des améliorations révolutionnaires du corps et de l'esprit humain devient accessible au public. D'accord. Donc c'est ça ce qui s'est fait à la mémoire de John F. Kennedy. Donc on a déjà battu notre premier fantôme. Alors donc ça c'est la station Talos One. Sacré casque. Hein. Ouais, lire cela en mettant sur pause, bien entendu. Tu bourrais, vas-y, débourre. Et bon. Avant de continuer à regarder ça, à moins qu'ici sur une petite pièce. Ouais, non. On va monter. Et on va s'arrêter là. Toi, t'es une fausse poubelle, ma vieille. J'utilise ça, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Une carte d'accès correspondante. Il y en a pas loin. Où est-il? Non.
traumatologie, ce sera certainement le premier service où on devra faire une visite. On fera ça plus tard. Ah là là, plus aucun survivant, ils sont tous parés. Tous sauf un. Enfin, sauf deux, moi et January. Le code de votre bureau est 0451. D'accord, donc une touraine nous protège. Ah là là, comment ça se fait qu'on entend encore dehors? Je vais fermer la fenêtre, bordel. Bon, pas grave. Voilà, allez, fixe-toi, c'est bon. Allez, allez, bordel de Dieu, voilà. Faut que je trouve pourquoi ça fait ça. C'est bien ça. Trois neurones. Ok, ça c'est fait. Alors attendez. Est-ce que ça je peux le porter? Non, ça non plus.
Ok. On trahit. Ah, je suis désolé pour celle-là, il va falloir que je trouve comment régler ça. On va voir la prochaine vidéo parce que c'est un petit peu chiant. Trop loin, trop vite. Attendez, j'en ai combien en tout? On crée ça. L'esprit ce fusil à pompe. Alors attendez, hein. On va tout fouiller avant. On fera une vidéo assez longue, hein, désolé. Ok, c'est bon, trahissien. Très bien. Très bien, très bien. Cette combinaison, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'elle fait exactement cette puce ? Charge recyclant. C'est pas du tout ce que c'est. C'est pas bien grave. Je crois qu'on va garder. Ouais. On va voir la vidéo donc il nous parlait. Pas ce que je voulais faire, on retourne en arrière, les emails d'abord. Vous avez réussi, FDM. Allez, on va faire ça. Arrête. Salut Morgan. Dure journée, hein? Sûrement, si je me parle à moi-même. Ta mémoire est pleine de trous, je sais. Désolée, mais c'est permanent.
Première chose que tu dois savoir, tu peux faire confiance à January. C'est un opérateur, une sorte de sauvegarde de toi et moi. Il sait tout ce que t'as oublié. Nous avons testé un nouveau genre de neuromode basé sur les Typhoons. On a calqué leurs schémas neuronaux sur les nôtres. Le problème, c'est que désinstaller un neuromode fait perdre la mémoire. Elle revient au moment de l'implémentation. C'est pour ça que t'as oublié. Il devrait y avoir une procédure entre les sessions de test pour te remettre au courant de tout. Mais quelqu'un pourrait annuler cette procédure et transformer une seule journée en toute ta vie. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Alex. La question est, pourquoi ? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Ah là là, il nous en a empêché. Je suis navré, Morgane. Alex nous a déconnecté des serveurs du miroir. Il va falloir improviser. Je vous suggère de fouiller l'atelier du docteur Calvino dans les laboratoires techniques. C'est lui qui a inventé le miroir. Vous y trouverez probablement un moyen de restaurer les connexions aux serveurs. Pendant ce temps, je chercherai un autre moyen de vous aider. Bonne chance. Alors, où veut-il qu'on aille ? Laboratoire technique, d'accord. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais elle est petit là, comme je vous ai indiqué. Donc, il aurait pu être présent lors de la deuxième vidéo. J'espère donc que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était le prochain Team HD. Passez une bonne journée, bonne soirée, vive les jeux vidéo.